Bienvenue dans cette étape pour devenir nomade digital. On arrive bientôt au bout de cette série. Et donc dans cette vidéo, je voulais te parler d'un élément très très simple. Ça va être une vidéo très très simple, mais avec un élément qui est quand même important et qui va beaucoup beaucoup t'aider à avancer, qui va t'aider à être plus productif ou productive, et qui va vraiment t'aider à créer quelque chose de manière plus... Comment dire, de te lancer dans ton projet d'une manière plus efficace. Voilà, tout simplement. Alors déjà, si tu me connais pas, si tu tombes sur cette vidéo comme ça par hasard, donc je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées, donc je les aide à devenir nomades digitales. Alors j'ai le soleil droit dans les yeux, je vais me tourner un petit peu. Voilà, donc je les aide à devenir nomades digitales, donc c'est-à-dire de créer leur propre activité sur Internet pour créer des revenus en ligne et donc pour pouvoir voyager et travailler depuis partout dans le monde. Parce que si tu le sais pas encore, donc si tu me connais pas, moi je suis une grande fan de voyage. J'adore voyager depuis que j'étais partie faire un tour du monde en 2014. Eh bien voilà, je suis devenue accro et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me lancer dans le business sur Internet. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est mon métier. Donc j'aide les personnes à se lancer, à démarrer, à faire leur première vente sur Internet en 3 mois. Et donc, cette étape, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de te créer un environnement de travail. Alors attention, on ne parle pas cette fois-ci de l'environnement au niveau de l'entourage. Aujourd'hui, on parle de l'environnement physique, c'est-à-dire de te créer tout simplement un bureau. Et je sais que si tu veux devenir nomade digital, justement, tu n'as pas envie de bureau. Peut-être que tu détestes ça et tu te dis non, je ne veux pas de bureau. Mais le bureau, alors surtout si tu es salarié aujourd'hui et que tu vas créer ton activité en parallèle, donc tu vas démarrer un projet en parallèle de ton travail, eh bien je te conseille vraiment de faire un espace dédié pour ça. Donc trouve dans ta maison, dans ton appartement, même si tu vis dans un studio, trouve-toi un petit coin, quitte à mettre une planche en guise de table, hein, ça m'est égal. Mais trouve-toi un petit coin qui va servir que pour ça. Donc tu peux te mettre aussi, par exemple, un de ces vision boards. Hein. Attends, faut juste que je traverse la route, je vais pas me faire shooter. Tu peux te faire un de ces vision boards. Donc le vision board, peut-être que tu connais, c'est ce tableau de visualisation. Tu te mets voilà, des photos de tes voyages, des photos d'endroits où tu as envie d'aller. Tu peux te mettre voilà, des images de ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, tu vois. Tu te mets ce vision board là en haut devant ton bureau. Tu te trouves une table, un bureau, ou simplement tu crées, voilà, juste avec une planche en bois, là, tu te fais ton bureau. Et il faut qu'il n'y ait rien pour te distraire. Donc le but de ça, c'est vraiment de créer un environnement de travail où tu ne pourras jamais être distrait. Et c'est là que tu vas aller à chaque fois, le soir quand tu rentres de ton travail et que tu vas commencer à travailler sur ton projet, tu vas aller dans ce bureau ou sur ce, simplement, sur, voilà, dans ce petit coin. Et c'est là vraiment, tu vas savoir que c'est un espace dédié juste pour ça. C'est ton espace dédié à devenir nomade digital. Et il est là pour... rien d'autre, c'est juste pour ça, tu vois. Et en fait, ça va te permettre de faire une séparation entre ton travail actuel, ta vie, tes loisirs, tout ce que tu as à côté, et ton projet. Et c'est vraiment important d'avoir un endroit où tu sais que tu vas être là-bas, et que quand tu es là-bas, tu éteins ton téléphone, tu éteins les distractions, tu éteins la télé, tu éteins tout, mais tout, hein, donc même les notifications WhatsApp, tu éteins tout. Le téléphone, je sais pas, tu vas le mettre à la cave. Là, l'autre jour, j'ai fait ça, hein, pendant 2 jours, j'ai mis mon téléphone à la cave. Et donc l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir un endroit dédié juste pour ça et où tu sais que tu peux aller te mettre là-bas quand tu veux travailler et être productif. Et ça, c'est vraiment top. Et je sais que tu n'as peut-être pas envie d'avoir ton bureau, mais au début, les premiers mois, eh bien, comme je l'ai dit, pendant 2 mois, 3 mois, surtout si tu travailles avec moi, il va falloir te mettre à fond. Là. Il va falloir bosser, il va falloir être quand même productif. Et donc ça peut être bien d'avoir un petit coin, et ensuite si vraiment un jour t'as pas envie là de te mettre à ton bureau, tu vas dans un café. Ensuite si tu as envie de travailler dans des cafés, c'est ok. Si tu es vraiment en mode j'ai envie de travailler que dans des cafés tous les jours, c'est ok aussi. Mais attends, faut que je te montre la vue parce que c'est vraiment très très beau. Est-ce que tu vois? Voilà, donc si tu as envie de travailler seulement dans des cafés, c'est ok aussi, mais ça va être quand même dur. Déjà, ça peut coûter cher d'être seulement dans des cafés pour travailler toute la journée, parce qu'à force de boire des cafés
expérience faite, ça commence à coûter cher. Et des fois, selon ce que tu as envie de faire, si tu as envie, par exemple, si tout d'un coup tu as des coachings par Skype, ou si tu as besoin de te concentrer pour trouver, voilà, peut-être trouver des idées, faire des choses, créer des articles, des fois ça peut être bien d'être vraiment à ton bureau et d'avoir vraiment ton espace de travail. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Ça peut paraître bête, mais fais-le. Et ça va, tu vas voir, j'ai des moucherons autour de moi, voilà. À chaque fois que je fais ce format de vidéo là, c'est à chaque fois une catastrophe. Soit il y a du vent, soit je me fais des snacks de moucherons, tu vois. Mais je le ferai quand même parce que c'est drôle. Mais bref, donc voilà, je te conseille vraiment de faire ça, de te créer ton espace de travail. C'est vraiment important et surtout de ne jamais te laisser distraire quand tu travailles. C'est seulement le travail, tu vois. Donc je sais que peut-être ça peut te paraître loin, peut-être que tu n'en es pas encore là. Peut-être que tu as ton idée, mais tu n'as pas encore démarré. Donc pour toi, tu sais peut-être pas encore exactement de quoi je parle. Ça va être quoi travailler en ligne? Peut-être que ça te paraît super facile, peut-être que tu te dis que ça va juste être voilà, de se promener sur les réseaux sociaux. Mais non, malheureusement, il y a quand même du travail, il faudra quand même créer des, voilà, faudra créer du contenu et il faudra quand même créer une stratégie marketing. Et ensuite, bah voilà, tu auras des clients et à un moment donné, eh bien, tu vas vendre des formations, il va falloir créer une page aussi de vente, ce qui s'appelle aussi une page de paiement pour que les personnes puissent payer ton produit. Enfin bref, c'est toutes des choses où il va quand même falloir à un moment donné t'asseoir à ton bureau et bosser, tu vois, parce que sinon ça ne va pas marcher, ça ne va pas être comme ça. Juste en étant dans un café, en traînant sur Facebook, ça va pas marcher. Donc voilà, il y a quand même du boulot. Je te dis ça parce que voilà, moi-même au début, j'étais en voyage et j'avais beaucoup de mal en fait à faire la différence entre vraiment travailler dur et profiter. Et je voulais toujours faire un petit peu les deux à la fois, tu vois. Et c'est un petit peu aussi cette utopie. C'est un petit peu cette vie imaginaire. Quand on s'imagine être nomade digital, c'est aussi ce que montrent les nomades digitales sur Instagram. On s'imagine tout de suite le hamac sur la plage, là, avec l'ordinateur. Mais ça, c'est chaud. Vraiment, c'est pas souvent. Ça peut arriver des fois vraiment de se poser sur la plage pour travailler. Mais ça, c'est dans des périodes où ça va bien, c'est vraiment dans des périodes tranquilles. Mais dans des autres périodes, il faut quand même arriver à faire cette différence et à dire, ok, allez là, pendant 2 jours, je vais bosser à fond et pendant 2 jours, je vais profiter. Enfin voilà, quel que soit ton futur programme de nomade digital, ça va être important de pouvoir faire la différence entre bosser et profiter. Et c'est pour ça que le fait vraiment d'avoir un espace de travail dédié à ça, eh bien, ça va t'aider à faire cette coupure. Voilà tout simplement pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, surtout avec ce beau cadre. C'est magnifique. Là, je vais me balader encore un peu, ensuite j'ai un rendez-vous cet après-midi. Et donc de nouveau, si tu veux devenir nomade digital, si c'est un style de vie qui te fait envie, même si tu sais qu'il va falloir bosser, hein, je vais être transparente avec toi. Il y a du boulot, mais si c'est quelque chose que tu as envie d'être libre. Tu sais, tu as envie de pouvoir choisir quand c'est que tu vas te promener justement. Si une fois tu as envie d'aller te balader, si tu as envie de prendre l'air, si tu as envie pendant 2 jours de rien foutre, si tu as pendant 2 jours, tu as juste envie de profiter, ben c'est ce que tu fais, tu profites. Mais ensuite, si tu as envie de travailler 3 fois plus, si tu as envie de travailler le soir, tu peux. Si tu as envie de travailler le matin, tu peux. Voilà, si tu as envie d'avoir cette liberté, vraiment de choisir, voilà, quand c'est que tu bosses, de où est-ce que tu bosses, hein. Donc voilà, même si tu as un bureau à la maison, au début, hein, parce que comme je te l'ai dit, au début, l'idée, c'est au début, c'est vraiment d'avoir un travail à côté. Si tu as un travail aujourd'hui, c'est génial. C'est la meilleure manière de commencer. Maintenant, si tu es déjà au bout du monde en train de voyager, que tu es déjà dans ton hamac, bon, bah, tant mieux, tu pourras commencer depuis un café. Mais si aujourd'hui tu es salarié et que tu vois cette vidéo, tant mieux, c'est parfait. Commence en parallèle de ton travail. Ça te permet d'avoir des revenus qui tombent à côté, de pas être stressé avec l'argent. Je suis essoufflée. Je suis toujours pas habituée à parler et à marcher en même temps. Voilà, tu as des revenus qui tombent et c'est encore mieux. Donc voilà, dans ce cas-là, tu peux quand même choisir où tu bosses. Tu as ton espace de travail, mais si tu as envie de te barrer, tu peux. Mais surtout, donne tout pendant les premiers mois. Pendant les premiers mois, tu te mets en focus total, tu vois. Tu te mets en focus total, tu travailles à fond, à fond, à fond. Et ensuite, là, 3 mois, 4 mois après, tu peux partir, tu peux aller voyager, tu vois. Tu vas voyager, tu pars et ensuite tu continues ton business depuis où tu veux. C'est ça le but. Donc si c'est quelque chose qui te fait envie, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien, un formulaire. Tu peux cliquer dessus, le remplir, répondre aux quelques questions. Et ensuite, moi, je te recontacte. Donc je prends contact avec toi et on va se faire un appel tous les deux. On va discuter de, voilà, de comment tu peux devenir nomade digital aussi.
qu'est-ce que tu peux réaliser? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme projet selon tes compétences, tes talents? Dans quoi tu pourrais te lancer? Et voilà, comment tu peux le faire, tu vois? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour y arriver? Et ensuite, on regarde si on a envie ou non de travailler ensemble. Et donc voilà, c'est ce que je te propose de faire. Donc je te dis à tout bientôt dans le formulaire et au téléphone. Et abonne-toi à cette chaîne et pense à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Ciao!